Et donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mission sortie de secours de Krone niveau 5, donc la toute dernière. Donc la mission consiste à trouver les deux cages d'escalier dans le cocher et complexe et à les sécuriser. Donc déjà, pour rentrer dans le cocher et complexe, la meilleure solution, ce sera de rentrer par le tunnel qui se situe au nord de Roan Oil, dans les ruines. Parce que les cages d'escalier se situent dans la zone irradiée, donc la zone au niveau du spawn dans les ruines. Donc c'est très simple, vous avez les cages d'escalier qui se situent dans la suite des tunnels. Donc de toute façon pour accéder au cocher complexe vous allez devoir y passer. Donc vous voyez c'est le bouton qui est juste là. Et la mission suffit juste d'activer ce bouton et d'attendre le temps de la sécurisation de la sortie. Donc je vais vous avancer ça parce que de toute façon il se passe pas grand chose d'intéressant. Vous avez juste à attendre dans cette pièce le temps de la sécurisation. A savoir que vous aurez des T3 qui devraient vous arriver dessus dès que vous lancez le téléchargement, ou les bots de la pièce suivante. Donc c'est pour ça que vous risquez d'avoir quelques bots qui vous arrivent dessus, mais bon. Pas de là à avoir des soucis ou quoi que ce soit. Il y a 5 bots, voilà, c'est pas grand chose. Donc ensuite, on continue. Donc dans la deuxième pièce, on fait pareil que la première, on ferme toutes les portes pour pouvoir accéder à la suite. Donc là, on récupère les masques à gaz au cas où pour continuer, parce que cette zone est assez chiante au niveau masque à gaz, ça vous les dégomme assez vite. Donc voilà, faire attention, vous avez les bottes de la pièce suivante qui arrivent aussi. Et le deuxième est juste ici. Et donc on va faire pareil, on va faire une avance rapide et on se retrouve après. Chose à savoir aussi, le téléchargement dure 1 minute. Donc ça dure un certain temps et vous êtes visible sur toute la map. Quand je dis visible, c'est que la sirène, vous l'entendez même dans les autres pièces du complexe. Donc à faire attention à ça, ça peut vous jouer des tours parce que plusieurs fois ça nous est arrivé d'être dans la grande salle du complexe et d'entendre ces sirènes, vous pouvez savoir qu'il y a quelqu'un qui fait cette mission. Donc à surveiller, parce que ça peut vraiment être surprenant quand vous avez une team qui vous rush dans votre propre spawn. Ça, voilà, ça fait bizarre. C'est rare, mais ça arrive, donc à faire attention. Je préfère vous le dire et que vous soyez pas surpris si vous vous faites rush. Allez pas dire c'est du cheat ou quoi que ce soit, c'est qu'on vous entend dans toute la map, tout simplement. Et donc voilà pour la mission sortie de secours de Krone 5. Et avant de vous quitter, j'ai 2-3 choses à vous demander directement, donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. En gros, la saison 4 rechargée n'a pas sorti de nouvelles missions ou de nouveaux contenus intéressants sur le DMZ. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Il reste une mission que j'ai pas encore faite et que je vous sortirai sur YouTube directement. Mais après, niveau mission, je vais être un petit peu à court et celles qui me restent sont pas les plus intéressantes, comme la valise sans prendre de dégâts, etc. C'est un truc qu'on fait en team. Mais ça veut dire que moi je reste dans un coin et les autres ne font rien. Donc bon, c'est pas forcément intéressant à voir un gameplay où quelqu'un reste toute la map, tout le long de la map dans un coin. Donc ce serait pour avoir votre avis, ce que vous aimeriez voir. Vous aimeriez voir plutôt du DMZ, mais des missions, enfin des raids complets, en team. Des rediffs de live, des compiles de kills qu'on peut faire. Enfin voilà, j'aimerais votre avis. Ou sinon d'autres jeux, si vous avez des jeux à me proposer. Ou d'autres modes de jeu si ça peut vous intéresser. Sachant que je fais un petit peu de résurgence mais pas beaucoup. Et je suis pas le plus grand fan de résu. En stream, j'ai fait pas mal de Warzone en ranked, où je fais du bronze à diamant, voire plus.
Mais voilà, ça pour l'instant je le garde qu'en stream. Donc c'est pareil, si vous voulez voir les games que je fais en ranked, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner.